Bonjour à tous, bienvenue en ce jour numéro 23 du challenge. Aujourd'hui c'est cardio et nous allons faire un circuit. Vous avez besoin d'une tenue de sport complète avec les baskets et d'un tapis. On va commencer par l'échauffement. Si vous voulez, à la maison vous pouvez mettre un peu de musique, d'accord? C'est parti, marchez. Allez, on marche, on active ses bras. On commence à monter les genoux. Et on enroule ses épaules vers l'arrière. Hop, de plus en plus grand. Et on amène un genou devant. Voilà, la jambe tendue. N'hésitez pas à mettre un peu de musique à la maison, c'est plus sympa, ça motive. On monte progressivement. Et on revient ici. On ouvre ses pieds, on pousse les fesses, on touche ici l'intérieur en poussant les genoux vers l'extérieur. On monte sur les pointes de pied. On le fait 10 fois. 2, 3, 4, allez, poussez sur vos pieds, 6, 7, 8, 9 et 10, on trottine. On commence à monter les talons progressivement, de plus en plus haut, jusqu'à être vraiment en talons-fesses. Et on monte les bras. 1, 2, 3. On balance. Montez les genoux. Et on revient, on descend, hop, squat. On monte sur les pointes de pied, on en fait 10. 2, 3, 4, 5. Le dos bien droit, on pousse les fesses vers l'arrière. 9, 10, courez. Allez, on monte les talons. On balance. Et on vient monter les genoux. On va faire 10 jumping jacks. Prêt? 3, 2, 1. Hop! Souple sur les genoux. On amortit bien le choc. Hop! En pliant ses genoux à chaque fois qu'on atterrit. Hein. Et courez, j'ai pas compté. On reprend les squats. On compte bien. On en fait 10. Allez, dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, 10, on court,
et 10 jumping jacks pour terminer. Cette fois-ci, on les compte. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si c'est trop dur, les jumping jacks, hein, on peut les faire sans impact. D'accord ? Pensez-y pour les prochaines vidéos. Si jamais je m'enflamme et j'oublie de le dire avant qu'on le fasse. Bien, nous allons passer à la séance au circuit. On va pouvoir installer notre tapis. Et voilà ! Le circuit aujourd'hui se compose de 5 exercices. 30 secondes sur chaque exercice. Vous avez 15 secondes de repos entre chaque exercice. Ok ? Et on fait 5 tours. C'est parti, vous êtes prêtes ? On y va pour le premier tour. Et on commence avec un nouvel exercice. On va toucher l'intérieur des pieds. Donc soit niveau 1 ici, hop, niveau 2 en sautant. Hop. On reste bien droit, on serre les abdominaux. C'est les pieds qui montent, d'accord? C'est pas votre dos qui descend. Allez, allez, courage. Si c'est trop difficile, on repart sur un niveau 1 et on repart sur un niveau 2, ok? Alternez. Notre deuxième exercice, c'est le up and down. Vous vous souvenez-tu là? On ouvre bien ses pieds pour mettre ses mains au milieu. On pousse les genoux vers l'extérieur, on descend sur un squat. Hop, un pied après l'autre, c'est le niveau 1. Je tape au-dessus de la tête. Hop, j'alterne les pieds, un coup je fais le pied droit en premier, un coup le pied gauche. Niveau 2, je mets mes deux pieds en même temps. Hop. Et le niveau 3, je rajoute un petit saut à la fin. Et là, je plie bien les genoux pour attaquer le suivant. On récupère. Pendant la récup, c'est au choix, soit vous marchez, soit vous trottinez, d'accord? Selon comment vous vous sentez, si vous voulez pousser. Troisième, c'est le tipping. Sur les pointes de pied, on rentre le ventre. Les genoux sont fléchis, le bassin légèrement vers l'arrière. Et on y va le plus vite possible. Vous savez comment casser la routine. Hop, on peut faire ça. On peut faire en avant, en arrière. Hop, ok. Et plus vite, plus vite, plus vite. Allez, on tient, il reste 3 secondes. Nouvel exercice pour ce quatrième. Il va se composer de 4 genoux et de 4 climbers, 4 genoux sur un climber. Donc, on monte bien ses genoux, 1, 2, 3, 4, squat, je marche sur les mains, 1, 2, 3, 4. Je marche sur les mains, je reviens. 1, 2, 3, 4. J'active mes bras. 1, 2, 3, 4. D'accord? Une fois que vous l'avez bien, vous l'accélérez. Récup. Et on passe au dernier exercice. Le dernier exercice, c'est les jumping jacks. 3 niveaux sur le jumping jack, vous connaissez déjà. On y va, je vous remontre. Premier niveau. Hop. Et là, le plus vite possible. Je garde le ventre bien rentré, bien serré. Ok? Ça, c'est si j'aime pas sauter, je peux faire ça. Je peux alterner aussi. Ça, c'est le niveau 2. Hop. Je peux faire un comme ça et un comme ça. Tac, tac. Ok? Vous pouvez toujours faire une combinaison. Donc souple sur les genoux, hein. On plie, on plie, on plie, on plie, on plie, d'accord? On amortit. Récup. Et on passe à ce deuxième tour. C'est parti. L'intérieur des pieds. Tenez-vous droit.
On rentre bien le ventre. On choisit son niveau. Allez, on va jusqu'au bout. Récup. Up and down, le deuxième. Allez, serrez bien le ventre, tenez votre dos. Choisissez votre option. On trottine. Récup. Trottinez, trottinez. Et on y va pour le tipping. Allez, on s'accroche. Marchez, vous pouvez boire un coup hein, pendant vos pauses, hein. N'hésitez pas. Prêt pour le suivant? 4 genoux, climber. Et récup. Ça va la maison? Vous tenez bon? On passe au jumping jack. Niveau 1. Voilà, mais le plus vite possible. Hein. On serre les abdos. Niveau 2. On amortit bien. Niveau 3. Air jack. On peut alterner, hein. Bien à la réception. Ok, prêt pour le troisième tour. L'intérieur du pied. Allez, allez, on s'accroche. Tenez bon. Commence à chauffer. Ça continue de chauffer même. Up and down. Récup actif comme on veut.
comme on veut monter, d'accord? Tipping. Rentrez le ventre, allongez votre dos. Secondes. Serrez bien le ventre. Dernier exercice du tour. Les jumping jacks. Comme on le sent, hein, niveau 1, je rappelle, on est ici. Hop, niveau 2. Niveau 3. Vous pouvez alterner les niveaux. Mais toujours, allez-y à fond. Récup. C'est bien la récup, hein? Vous êtes prêts pour le quatrième tour? Accrochez-vous. L'intérieur du pied. L'intérieur des pieds. Tenez-vous droit. On rentre bien le ventre. On choisit son niveau. Allez, on va jusqu'au bout. Le deuxième. On récupère. Allez, serrez bien le ventre, tenez votre dos. Choisissez votre option. Contre team. Récup. Trottinez, trottinez. Et on y va pour le tipping. Allez, on s'accroche. Pour le suivant, 4 genoux, climber.
et récup. Ça va la maison? Vous tenez bon? On passe au jumping jack. Niveau 1, voilà, mais le plus vite possible, hein. On serre les abdos. Niveau 2, on amortit bien. Niveau 3, air jack. On peut alterner, hein. Et on pousse dans les jambes et on amortit bien à la réception. Ok. Allez, prêt pour ce dernier tour. Dernier tour, je crois en vous. Allez, on s'accroche. On touche l'intérieur du pied. C'est parti. Allez, allez, on s'accroche. Tenez bon. Commence à chauffer. Ça continue de chauffer même. Up and down. Récup active comme on veut monter, d'accord? Tipping. Rentrez le ventre, allongez votre dos. Cinquième exercice. Quatrième exercice. Quatre genoux. Climber. Serrez bien le ventre. Dernier exercice du tour. Les jumping jacks. Comme on le sent, hein, niveau 1, je rappelle, on est ici. Hop, niveau 2. Niveau 3. Vous pouvez alterner les niveaux. Mais toujours, allez-y à fond. Et récupérez. On marche. C'est très très bien. On marche, on est cool. On a terminé notre cardio du jour. Il était bien intense. Allez, on marche tranquille. On peut prendre sa bouteille d'eau. On boit. On pense à bien se réhydrater, d'accord? Comme on a bien transpiré.
On aère un petit peu aussi, si on peut, la salle, d'accord? Tranquillou pour cette dernière semaine de challenge ou pas, vous pouvez peut-être continuer. Voilà, on relâche, on inspire, on souffle. Très bien, la séance est terminée. Bravo à vous, je suis fière de vous. À demain.